On a pas la peine de courir, on l'a raté. Tu me vois quand t'as le temps, tu me cases, t'avances comme un bulldozer. Oui, je sais, je suis un gros tracteur, tu me l'as déjà dit. Bonsoir. Daniel Moreau-Babin. Anaïs. En fait, je vais vous retrouver là-haut, ça vous dérange pas? C'est Émilie? Oui. Bonjour, vous êtes Émilie Ducré? Oui. Tu la trompes souvent, Émilie? Je la trompe pas, tu me crois pas? Ben non. Je suis en train de lire un de vos livres, je l'ai pas encore fini, mais j'adore. Enfin, j'ai l'impression qu'on a des sensibilités très proches. Pardon, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur, justement. Oui, oui, bien sûr. Bonjour, je suis Anaïs. Ah oui, Anaïs. Je suis venue parce que j'ai envie de vous voir. D'accord. Je vais te demander un truc qui va te sembler incongru. Je veux pas être emphatique ou grandiloquente, mais enfin, tu as mon destin entre les mains. Putain, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai besoin de me retrouver seule avec Émilie. Vous voulez pas qu'on se promène? Vous écrivez sur quoi? Vous êtes indiscrète. Daniel? On peut savoir ce que tu fais là? J'ai pas de compte à te rendre sur les visites que je fais à ma femme. Ma femme? C'est quoi ce sentiment de propriété inadmissible? Elle est pas à toi, Émilie. Hein. Vous êtes même pas mariée en plus. Non mais on est vraiment chez les dingues. Vous êtes qui, Anaïs?